Soit à calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini de la suite n carré sur 2 moins 2 sur n plus 3. Alors, je vais mettre ici cette différence de fraction au même dénominateur. J'obtiens donc limite lorsque n tend vers plus l'infini. Le n carré, je vais le multiplier par n plus 3. Donc n carré multiplié par n plus 3. Et le 2, je vais multiplier par 2. Donc ça fait moins 4 sur le dénominateur commun, qui est égal à 2 fois n plus 3. De sorte que la limite puisse s'écrire. Donc égale limite lorsque n tend vers plus l'infini. N carré fois n, ça va me donner n cube plus 3n carré moins 4 sur 2n plus 6, hein, lorsque je développe. Je retiens ici les termes de plus haut exposant, donc exposant 3, exposant 1, donc est égal à limite de n cube sur 2n en plus l'infini, je simplifie, est égal à la limite n cube sur n, ça me fait n carré sur 2, lorsque n tend vers plus l'infini. Et donc, plus l'infini au carré, ça me donne plus l'infini. Plus l'infini divisé par 2, ça reste plus l'infini. Donc, en conclusion, la limite de cette suite tend vers plus l'infini. Donc ici, vous voyez, il était nécessaire de mettre d'abord au même dénominateur, de retenir les termes de plus haut exposant, de simplifier ici n cube sur n afin de conclure. Thank you.